J'ai écouté une chanson. Cette chanson, ça parle souvent. Parce qu'on a l'habitude ici en Afrique. Et chacun se croise la main chez lui. Un jeune, une femme, la maman, le papa, il a un fils à l'extérieur. Il a un frère, il a un grand frère, ou bien un papa à l'extérieur. Chaque fois, le téléphone sonne, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Pourquoi ce message? Alors, ce message, parce que j'ai été victime de ça, parce que, enfin, pour des gens qui sont en Afrique, pensent que ceux qui sont en Europe ramassent de l'argent. Pourtant, ce n'est pas ça. Il fournit des efforts, il se fatigue. S'il faut se réveiller à 3h, 4h du matin pour aller bosser, pour juste des miettes de salaire, et quand la fin du mois arrive, il faut s'occuper des impôts, il faut s'occuper du loyer, il faut s'occuper de l'électricité, et penser aussi à la famille en Afrique. Et il y a d'autres qui refusent de travailler, qui ne veulent rien faire de leurs 10 doigts, se disent que ouais, mon père il est en France, pourtant tu ne sais pas dans quelle difficulté ton père il est là-bas. Des sœurs aussi qui s'asseyent, qui ne veulent pas travailler. Ma mère, elle est en France et tout. Elle refuse tout travail. Tout ce que je veux, ma mère, elle peut m'envoyer. Pourtant, tu ne sais pas dans quelle souffrance ta mère, elle se trouve. C'est pourquoi je t'ai dit, c'est pourquoi j'ai dit dans le message, il ne faut jamais t'asseoir pour dire que ton grand frère, il est là-bas. Lève-toi, tu vas te débrouiller toi-même. Mets dans la main, l'union fait la force. Voilà pourquoi j'ai fini.